Chers amis brodeuses, bonjour. Voilà, vous qui avez eu envie de réaliser cette splendide trousse avec une petite trousse intérieure, je vous la montre terminée et nous allons procéder maintenant étape par étape pour réaliser le montage. Voici le Gefitex que j'ai posé sur l'envers de la toile brodée. J'ai rabattu les côtés, les marges de tous les côtés vers le Gefitex et il ne me reste plus qu'à coller les petits côtés ici que je n'ai pas encore terminé de coller avec le spray de colle textile. C'est très pratique, ça évite de coudre cette partie qui sera de toute manière emprisonnée par la toile qui va se mettre par-dessus. Donc vous voyez le Gefitex qui a été recouvert avec la toile brodée. Voici la doublure, c'est-à-dire la face intérieure de la trousse. J'ai déjà rabattu les marges de toutes les coutures et repassé tous les côtés. Ensuite, j'ai déjà cousu ici la poche et le rabat en feutrine. Après avoir placé la poche sur un côté du tissu, je réalise un point avant sur le bord. Le rabat est ensuite placé par-dessus et je l'assemble avec un point avant. Pour savoir où positionner la poche et son rabat, vous vous référez à votre patron. Je prends l'autre poche dont vous avez le gabarit dans votre pack et je vais l'accrocher, le maintenir par des épingles sur le tissu pour l'assembler au point avant, tout comme ceci a été assemblé. Je peux faire un nœud à la fin de mon fil et je vais faire mon point avant à 2 mm du bord coupé et cela sur tout le contour jusque là. Ceci restera ouvert. Sur l'envers, j'arrête mon fil. Voilà, et je coupe. Pour chaque anse, j'ai deux bandes en lin. Je place une bande sur l'autre, je les maintiens avec des épingles et je vais les assembler par un point avant à 3 mm du bord et ce des deux côtés. Voici mes deux anses assemblées au point avant. La longueur des anses est de 29 cm environ, avec marge. Sans marge, la longueur finie des anses est de 22 cm. Je vais donc à ce niveau-ci et à celui-ci, donc de là à là, j'ai 22 cm. Je vais tracer des repères avec mon stylo thermosensible. Voilà comment j'opère pour avoir des bonnes lignes droites. Voilà. J'ai beaucoup de marge, mais j'en ai besoin.
Je vais à présent prendre la partie extérieure de ma trousse et ici à 7 cm, je vais mesurer pour en être bien certaine, j'ai mis un repère. Je mets une épingle, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon repère et je mets mon épingle. Je vais alors prendre une anse que je vais placer contre l'épingle en faisant correspondre la marque par rapport au bord de la trousse. Et je vais l'épingler. Je fais la même chose avec l'autre bout de anse. Voilà. Je vais assembler avec un point de chausson en piquant dans le gefitex et dans le bout de l'anse simultanément. Voilà. Ensuite, je continue pour éviter une fausse manipulation, je laisse bien la trousse ainsi disposée sur le plat de ma main et je vais assembler ce côté avec des points lancés. Ainsi, rien ne bouge. Lorsque les trois côtés ici sont assemblés sur le gefitex de manière très solide, je vais avec le même fil assembler à petits points discrets et très rapprochés l'anse avec la trousse, le bord de la trousse. Voilà. Ça va bien consolider le montage de l'anse à la trousse. Quand j'arrive au bout, je vais piquer à travers l'anse pour pouvoir m'arrêter du côté intérieur de la trousse. Je fais quelques points arrière sur place. Je passe l'aiguille dans ma boucle et je peux couper. Voici ma trousse avec les anses posées dessus et assemblées. Voici le côté envers avec le gefitex et je vais poser la partie intérieure sur la partie extérieure envers contre envers. Sur la partie intérieure au préalable, j'ai fait des marques avec du fil de couleur bien contrastante à 7 cm de chaque long côté et au centre de la trousse. Donc, ça se trouve au centre par rapport au petit côté et à 7 cm par rapport au grand côté. Je vais épingler en commençant par les coins. Donc, je rentre bien les coins de la trousse et je les épingle dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais épingler un petit côté, vraiment bord à bord. On ne voit pratiquement pas la trousse extérieure lorsqu'elle est ouverte. Je vais épingler ce côté-là et ce côté-là aussi. Et ensuite, je vais assembler à petits points de surjet en partant d'un coin. Je réalise donc un petit point de surjet pour assembler la partie intérieure à la partie extérieure au niveau des bords repliés. La couleur du fil que j'utilise est rouge. Il doit toujours être identique à la couleur de la partie intérieure et les points que je réalise sont des points bien rapprochés pour plus de solidité dans l'assemblage. Voici ma trousse assemblée au niveau des quatre côtés. Je vais m'attaquer aux deux repères que j'ai mis ici au centre. Et je vais coudre le bouton aimanté
que je divise en deux ici, donc pour ne garder que cette partie là. Il y a une partie avec un creux et il y a une partie avec un petit bouton protubérant. Je vais garder uniquement la partie avec le creux et j'en ai besoin de deux. Voilà, je vais prendre une aiguille de fil assortie à la toile de la trousse, donc couleur lin, et sur un des repères je vais piquer à travers toutes les épaisseurs. Je fais un tout petit point arrière et je ressors de ce côté-ci. À ce moment-là, je vais enlever le fil de couleur contrastante que j'ai mis pour marquer mon emplacement. Je vais retraverser toute la trousse, donc toutes les épaisseurs, avec la même aiguillée. Et ceci aura pour effet de bien faire adhérer la partie intérieure à la partie externe. Je prends donc un bouton, une partie d'un bouton aimanté, et je vais la coudre à cet endroit-là. Je ne vais coudre qu'à travers la partie intérieure de la trousse sans traverser l'épaisseur en lin de la trousse extérieure. Voilà. J'ai terminé de coudre les moitiés de boutons aimantés à leur place au centre de la pochette. Celle-ci donc va rester en attente pendant que je vais terminer la pochette intérieure. Voici la partie brodée de la petite trousse. J'ai déjà marqué les côtés des plis avec, vous voyez bien ici, les marges de couture. J'ai découpé dans du molleton le même gabarit sans ajouter de marge. Je vais déposer ce molleton sur le côté intérieur, donc côté envers, de la toile brodée et je vais replier les marges de couture vers l'envers de l'ouvrage. Je vais maintenir avec des épingles. Lorsque toutes les marges sont repliées, vous avez bien vu que j'ai d'abord replié les grands côtés droits, ensuite les côtés courbes, je vais les assembler au point de chausson, au molleton. Après avoir assemblé les marges de couture au molleton intérieur, je vais prendre les deux petites bandes de lin et je vais les mettre sur le bord à chaque côté d'un petit côté ondulé. Voilà. Je vais les assembler par des petits points lancés. Lorsque les trois côtés de ma petite bande sont assemblés au côté envers de la trousse, je vais également coudre avec un petit point de surjet rapproché cette partie-là pour qu'elle ne soit pas béante ainsi. Voilà, je sors mon aiguille ici. Et je m'arrête sur l'envers, quelques points lancés et mettre l'aiguille dans la boucle. Voilà, je coupe. Je fais ce même travail exactement à la deuxième petite bande posée à l'autre côté de la trousse.
À présent, je vais prendre ma fermeture éclair côté endroit vers moi. Je vais la placer sous le bord où sont maintenues les petites bandes. Ces bandes sont destinées à cacher les débuts et fins de la fermeture. Je vais maintenir la fermeture éclair par des épingles et je vais adapter le long des rails de la fermeture avec le bord replié de la trousse. Lorsque j'ai mis les épingles, je vais coudre toute cette partie-là au point de surjet à la main. De cette manière, je vais assembler la fermeture au bord de la trousse. Je vais démarrer sur le côté ici et je vais repiquer à travers toutes les épaisseurs pour bien coudre la fermeture au bord de la trousse. Voici un côté de la fermeture éclair qui est assemblé à un des petits bords supérieurs de la trousse. Je vais retourner ma trousse et je vais placer la doublure dont j'ai préalablement replié toutes les marges de couture vers l'envers et repassé les plis. Je vais déposer envers contre envers sur l'ouvrage. Je vais replier le petit bout de la fermeture éclair vers l'ouvrage. Il faut que ce soit plié en biais de sorte que ce petit bout ne dépasse pas du côté latéral de la trousse et non plus ne vienne se mettre sur les rails de la fermeture. Je maintiens avec une épingle. Je vais faire la même chose à l'autre côté de la fermeture. Voilà, je replie et je prends bien soin que ce petit bout ne va pas se mettre sur les rails ni déborder du côté. Je vais donc à présent maintenir ces bords repliés avec quelques petits points, des petits points lancés que je prends soin de ne pas faire traverser à travers toutes les épaisseurs. Voici les deux petits plis de la fermeture maintenus par quelques points lancés. Je vais centrer envers contre envers la doublure sur l'ouvrage et bien mettre contre le rail sans déborder sur le rail qui doit être visible. C'est l'envers du rail que vous voyez. Le côté envers des rails est bien visible et n'est pas pris dans la doublure. Maintenant, je vais épingler la doublure au niveau d'un long côté. Voilà. De la même manière que j'ai épinglé le petit côté de la fermeture, j'épingle un long côté. Je vais faire le même travail, donc épingler ici sur l'autre côté. Voici les trois côtés maintenus avec des épingles. Je vais à présent les assembler au petit point de surjet avec un fil rouge en démarrant du petit coin ici, travailler jusque là. Ensuite, j'assemblerai ce long côté et puis le second côté, sachant que l'autre côté va rester ouvert puisque je dois encore coudre l'autre côté de la fermeture. Voilà, je fais de petits points de surjet pour assembler, pour ourler le petit côté. Après avoir cousu le petit côté et les deux longs côtés,
sur lesquels j'ai arrêté ma couture à 2 petits centimètres du bord. Je retourne mon ouvrage et je vais à 4 centimètres au milieu et à 4 centimètres du bord mettre un repère sur le fond. Voilà. Sur ces repères, je vais venir coudre les autres boutons aimantés qui se marient avec les boutons aimantés que j'ai mis sur l'autre trousse. Avant de coudre le bouton aimanté, je traverse toutes les épaisseurs avec mon aiguille. Je fais un petit point arrière. Je les retraverse toutes afin de toutes bien les maintenir ensemble. Ensuite, je vais coudre le bouton. En ne prenant que l'épaisseur de la trousse. Je termine de coudre le second bouton sur la trousse. Voilà, j'ai arrêté. Je me glisse dans les épaisseurs de la trousse et je coupe. À présent, je retourne ma trousse et je vais devoir coudre l'autre côté de la fermeture à glissière. Donc voici l'ouverture que je laissais à cet escient. Je vais glisser le côté de la fermeture. Ici, je vais mettre le bord sur la fermeture en veillant qu'il se trouve bien en face. Et je vais maintenir avec des épingles momentanément. J'ai bien retiré la doublure, n'est pas cousue, elle est détachée. Ceci est normal. Hein? Donc voilà. C'est une opération un peu ennuyeuse à faire parce qu'il faut un petit peu être maniaque pour bien le mettre. Je regarde que tout est placé bien. Les bords sont bien en face de ceux qui sont ici. Par contre, les petites bandes sont encore non attachées. Ce n'est pas un souci. Je vais retirer la dernière épingle, glisser la bande par-dessous et remettre l'épingle en attachant l'ensemble. De même, ici, il y a le curseur. Donc, j'ouvre le curseur, je retire mon épingle et je vais glisser. Je fais bien attention de ne pas faire monter les rails l'un sur l'autre et j'attache. Ensuite, je teste que tout est bien mis. Voilà. À présent, donc il ne reste que les petits bouts de la fermeture qui dépassent, mais je m'en occuperai après. À présent, ce que je vais faire, c'est assembler de là jusque là avec un petit point de surjet bien rapproché, comme j'ai fait avec l'autre côté de la fermeture. Pour assembler avec aisance, je vais ouvrir la fermeture et je vais commencer par assembler ce petit bout ici. Je glisse mon aiguille entre la fermeture et la toile et je vais coudre en prenant toutes les épaisseurs. Je traverse bien toutes les épaisseurs pour être certaine que l'assemblage se fait avec tous les éléments. Ce petit bout est assemblé et je vais arrêter mon fil pour plus de sécurité. Je rentre l'aiguille dans deux boucles simultanées, puis je me glisse entre les épaisseurs et je coupe. Je vais faire cette même opération à l'autre bout de la fermeture. Je tourne mon ouvrage.
Je glisse mon aiguille entre l'épaisseur de la trousse et celle de la fermeture et je vais assembler en prenant toutes les épaisseurs. À présent, il va me rester à assembler la partie entre les deux bandes. Pour cela, j'ouvre la fermeture. Je peux introduire ma main dans l'ouverture et ainsi assembler aisément ces parties-là. Voilà. Et voilà. Des petits points rapprochés. Maintenant que ma fermeture est bien attachée à ma trousse, je vais la retourner du côté envers. Pour cela, j'ouvre la trousse. Par l'ouverture, je la retourne côté envers. Et il va me falloir donc maintenant achever cette partie-là. Je vais replier donc, comme on a fait précédemment pour l'autre côté de la fermeture, les petits bouts extrêmes. Je replie un, donc il ne doit pas emboîter le rail de la fermeture ni dépasser le côté du bord de la trousse. De même ici, voilà, je le replie, je maintiens le tout avec des épingles et je vais consolider par quelques points lancés pour bien les garder repliés. Peu importe l'esthétique de ces points ici, c'est la sécurité qui compte avant tout et le fait de ne pas traverser la trousse. Voilà. À ce moment, je vais donc placer les bords de la doublure contre les bords de la trousse. Donc sans trop m'aventurer au-dessus des rails, donc je dois bien voir la limite qui m'est donnée grâce au point de couture de la trousse que je vois sur le bord de la fermeture et je maintiens le tout avec des épingles. J'avais laissé ici un fil qui pendait, sachant ce que j'allais faire à présent. Je le réenfile. Et je vais donc continuer et terminer l'assemblage de la fermeture avec la trousse. Donc je termine l'assemblage ici. En n'oubliant pas de coudre le petit côté que j'avais laissé ouvert pour permettre cette manière de terminer la fermeture à glissière. Voilà. À présent que tout est cousu, je vais retourner ma trousse côté endroit. Je vais refermer la trousse et je vais replier la trousse et mettre deux côtés latéraux bord à bord. Je vais épingler pour maintenir ensemble et je vais faire un point de surjet de là à là pour assembler. Je ne prends pas toutes les épaisseurs, je ne prends que les épaisseurs plié de la toile de lin. Voilà. Petit point de surjet rapproché en ne prenant que les plis de la toile de lin. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma couture. Ici, c'est la pointe du bas de la trousse.
À partir de cette pointe, j'ai calculé 3 cm et j'ai fait une marque avec mon stylo thermosensible. Car lorsque j'arrive à la fin de ma couture, je ne retire pas mon fil et je vais bien mettre la pointe en avant en m'assurant que la couture du côté se trouve au milieu de ma pointe et je vais replier la pointe sur le repère dessiné. Je vais à ce moment-là prendre ici un peu de tissu et coudre la pointe sur la couture du côté. Je glisse ma main à l'intérieur, donc voilà. À la fin, je glisse mon aiguille dans la boucle. Une fois, une seconde fois. Ensuite, je vais glisser mon aiguille à travers les épaisseurs et je vais couper. Voilà, un côté est fait. Je vais faire ce même travail à l'autre côté. Je vais pouvoir fixer ma trousse grâce au bouton aimanté. Voilà. Voilà. Et ici, au niveau du curseur, je vais mettre une petite garniture avec une petite bobine en bois, mini bobine en bois. Je passe le fil à travers les deux trous de ma bobine, je fais un nœud et ensuite j'enfile tous les fils dans mon aiguille et je passe dans le curseur. Et je vais m'arranger pour faire un nœud à la base en tournant autour du fil qui maintient la bobine. Voici ma trousse achevée, il ne manque plus qu'un détail, c'est la boutonnière qui va me permettre de boutonner la trousse avec ce bouton. J'ai déterminé le centre de l'autre côté arrière de la trousse qui correspond au centre du bouton. Je prends une double aiguillée de fil et je vais avec l'envers de mon aiguille passer entre les épaisseurs. Je fais rentrer le nœud. Je me situe à environ 3 quarts de centimètre par rapport à ma marque. Je fais un point arrière sur place pour bloquer mon fil. Un second point arrière. Ensuite, je vais maintenir ma trousse fermée. J'entoure le bouton et je vais traverser le bord aussi à la même distance de la marque, c'est-à-dire à plus ou moins 3 quarts de centimètre. Voilà. En maintenant le bouton entre le fil, je vois plus ou moins la bonne longueur de la boutonnière. Et pour garder cette longueur, voilà, je vais faire un point arrière sur place, comme je l'ai fait précédemment de l'autre côté, et je bloque cette longueur. Je vais à présent déboutonner et je vais réaliser ma barrette festonnée. C'est-à-dire que je vais lancer le fil là, avec mon aiguille, je rentre dans la boucle et je tire pour avoir chaque fois la même longueur. Chaque fois, je refais un point arrière pour bloquer la longueur de fil réalisée, pour pas qu'il y ait des différentes longueurs dans la boucle. Encore une fois, donc ça me fait 3 fois 2 fils qui vont rentrer dans le bourrage de ma barrette festonnée. Voilà, je la fais plus courte, mais je fais pénétrer l'aiguille dans la boucle et je tire.
Et ici donc, je refais un petit point arrière. Tout est bien bloqué. Voici, je vais faire ma barrette. C'est une aiguille à bourron que j'ai prise, donc je peux travailler avec la pointe de l'aiguille que je fais rentrer dans la boucle. Et je vais festonner. De temps en temps, je laisse tomber l'aiguille pour que le fil se détorde. Et on continue. Je termine ma boutonnière. J'arrive à l'autre bout de la boucle. Je fais bien des points jusqu'au bord de la trousse. Et au dernier, je vais refaire un point dans le bourrage de la boucle et pénétrer dans la boucle. J'obtiens un nœud qui va tout consolider et je rentre avec mon aiguille à travers les épaisseurs. Voilà, et je coupe. La boutonnière est terminée et je peux refermer ma trousse.